Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Nous sommes le 21 juin, nous sommes en été et je vais vous lire un conte pour embellir l'été. Le paysan et le sage. Au siècle dernier, dans un village du fin fond de l'Asie, vivait un vieux sage. Les habitants avaient l'habitude de le consulter pour lui soumettre leurs problèmes et d'écouter ses conseils avisés. C'était un homme très aimé et respecté de tous. Un jour, un paysan du village vint le voir affolé. L'unique bœuf qu'il possédait pour l'aider à labourer son champ était mort dans la nuit. Éploré, il se lamentait sur ce qui lui semblait être la pire des catastrophes. Peut-être que oui, peut-être que non, se contenta de dire le sage d'une voix douce. Ne sachant que penser de cette réaction, le paysan s'en alla, perplexe. Quelques jours plus tard, il revint fou de joie. Il avait capturé un jeune cheval sauvage et l'avait utilisé pour remplacer son bœuf et tirer la charrue. Les talons fougueux facilitaient les labours tant il était vif. Le paysan dit au sage : « Tu avais bien raison. La mort de mon bœuf n'était pas la pire des catastrophes. Ce cheval est une bénédiction. Peut-être que oui, peut-être que non, répondit le penseur avec douceur et compassion. En partant, le paysan se dit que, décidément, le vieux sage était un homme curieux, puisqu'il n'était pas capable de se réjouir avec lui de sa bonne fortune. Mais quelques jours plus tard, le fils du paysan se cassa la jambe en tombant du cheval et dut s'aliter pendant plusieurs jours. L'homme retourna voir le sage pour pleurer sur cette nouvelle calamité. Son fils allait être immobilisé pour les moissons et il craignait que sa famille meure de faim. Quel malheur, répétait-il. Peut-être que oui, peut-être que non, opina tranquillement le sage. Décidément, tu ne sais dire que cela, s'énerva le paysan. Si c'est là tout le réconfort que tu me donnes, je ne viendrai plus te voir. Et il sortit tout à sa colère. C'est alors qu'une terrible nouvelle se répandit dans le pays. La guerre venait d'éclater. Des troupes de soldats vinrent enrôler tous les jeunes hommes valides. Tous ceux du village furent contraints
de partir vers une mort probable au combat. Tous, sauf le fils du paysan, toujours blessé. Ce dernier retourna une nouvelle fois chez le sage. Pardonne-moi, pardonne-moi, implora-t-il. J'ai passé mon temps à me lamenter sur ce qui m'arrivait et à imaginer les pires catastrophes, alors que rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de rester calme, j'ai paniqué et je t'ai maudit. Je sais, aujourd'hui, qu'il est vain d'imaginer l'avenir, car on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Il faut garder espoir, tant il y a toujours de pires malheurs que le sien. Enfin, peut-être que oui, peut-être que non. Et le sage sourit, avec plein de bonté et énormément d'indulgence. Et bien voilà ce magnifique conte. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite à toutes et tous un bel été. On se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort. À très vite.